Eh bien bonjour YouTube. Et heureux. Bon bah c'est parti, hein, on est chaud pour le test ImaViewer dernier du nom. Bon, 35 maps, vous le savez, ça va être long. Ah bah la map de Selena, c'est la dernière. Bon bah comme ça c'est vu, elle voulait pas que je la passe trop vite, bah ça risque pas du coup, MDR de LOL. Et puis voilà, donc du coup, bah vous savez pourquoi on fait ça, l'édition spéciale du PVM. On termine ce soir j'aurai enfin mon map pack officiel pour mes petites affaires, donc je suis content. Et puis partant de là, bah c'est parti, on va commencer avec la première map de Poulet Rôti, 200 IQ Extended, c'est Tipa. Ah putain, j'ai pas... Attendez, avant que je hint, voilà, c'est bon. On a le fameux bloc-notes pour les maps, si on les retient ou non. Et ensuite, on finira les maps. Ah, t'as oublié de faire une map, Manes. Ah, bravo. Bon, alors, je vais pas vous cacher. Je vais être assez... Je vais faire d'assez gros taquets ce soir, parce que, bon, il y a beaucoup de maps, il est tard. Et en plus de ça, je suis bientôt à la fin. C'est-à-dire qu'il me manque très peu de maps. Mais, genre là, pareil... Ah, ça y est, j'ai compris. Wouh ! Le temps que ça monte, c'est normal. C'est bien, gauche du trou, into là-bas. Bon après, faudra voir au niveau des angles, mais à mon avis, c'est ça, quoi. Après, tu fais ça et t'arrives ici. Ok, on a le début. Bon, pour le moment, j'aime ce. Pour l'instant, on est sur la qualité. Là, par contre, je sais pas où on est sur quoi, là. Ah non, il fallait... Ouf. J'ai vu après. J'ai vu, c'était en haut à gauche. Six sous là-bas, je crois pas du tout, mais faut aller où? C'est un grâce là, des fois aller là-dedans. Ça m'a l'air d'être la fin ici, mais peut-être trompé. Y a pas un panal? Si, y'a un panal devant, et c'était en face de moi, c'était à droite. Bien joué, hésite pas à ouvrir tes mirettes, ça va te servir ce soir, bro. Pardon. Un pathfinding... Bon, en vrai, non. Je peux pas dire qu'il est pas évident, parce que c'est juste moi qui suis débile. Donc, pour le moment, on va rien en dire. Moi, Sims Good. Après, un peu trop de ring et... Un peu trop d'exa et un peu trop de... De speed check, je dirais, pour le moment. Pardon. Attends, je dois sauter là tout de suite, ou... Quoi? Hein? Bon, visiblement, avec la vitesse, on peut faire des trucs. Mais... Attends, mais c'est pas là. Il a mis le CP à l'envers. Non, j'y crois pas. Mais what the fuck. Mais... C'était en haut. Bah ouais, mais je vais où après? Je continue? Ah ouais. Bon, j'avoue, j'ai douté pour rien. En vrai, de vue, la map a l'air vraiment cool. Par contre, pour les médailles de bronze et médailles d'argent, j'avoue que ça a l'air assez difficile. Pas le passing, tout ça, mais il y a beaucoup de sauts, plateformes, un peu comme ça. Il faut viser de très loin. Et après, il y a toujours moyen de monnayer, tu vois. Mais c'est pas très agréable, quoi. Donc là, c'est quoi? C'est une map de type raid, on est d'accord? Enfin, au moins blue. Au moins blue, peut-être... Ouais, il faut la speed, du coup. Au moins blue, peut-être plus. Vas-y, par contre, ouais, niveau du respawn. Bon, on n'est pas là pour juger les respawns. Du moment que c'est respawnable, je demande rien de plus. Mais, pour l'instant, mitigé. Merde. Holy shit. Tu vois, ça manque de repères un peu. Tu sautes beaucoup à l'aveugle. De très très loin, et j'ai quand même envie de voir la fin, après je regarde le GPS et je pourrais mieux juger. Si GPS me plaît, je refais un one, si le GPS me plaît pas, c'est un one. Oh putain. Ah ouais. Mais ça skate du coup ça. Pas obligé de faire le waterbound ça à mon avis. On va regarder le GPS. Si y en a un, si y en a pas, j'avoue que ça va être tendu. Ah, ça va, y en a un. Poulet Rôti, il a pensé à nous. Pour le bien en découverte, c'est chaud. Ah mais toujours mec. Toujours. Je changerai jamais hein. Mais ça, heureusement, il y a un bon GPS, on va pouvoir voir ce qui se passe.
Ouais, ok, c'est Swaggy. C'est Swaggy, je reconnais. Je reconnais, c'est Swaggy. Ah! Ah bah j'avais même pas toute la map. D'accord. Bah il manquait un boom map quoi. Bon, vous l'aviez vu? Moi je l'ai pas vu. Voilà, pas l'air cool. La déco me plaît pas. Ah, elle est longue en plus. Ah oui putain, parce qu'il l'a raccourci en plus de base. Mais il finit où? Il finit quand? Il finit quand? Allô? Monsieur, monsieur, il faut mettre un finish. Mais il avait mappé une... Mais qu'est-ce qu'il avait mappé gros? Ah, on repassait là. Mais what the fuck? Oh la roue de 3 milliards 600 000 années. Oh le 180 off-road nul. C'est perturbant hein, quand on voit ça comme ça. Mais il fallait la finir. Mais gros. Mais elle s'arrête jamais, ça m'a à l'aide. Ça y est, c'est mon finish là. Finish. Putain. Ah, elle faisait 2 minutes 5 de base. Hein. Et après, il s'est dit. Bon, j'avoue, j'ai peut-être un peu abusé. On va peut-être arrêter. On va peut-être s'arrêter avant parce que bon. Au bout d'un moment, les gars, c'est dur. Hein. Oh, fallait être imaginatif, hein. Oh, j'ai envie de regarder le GPS encore, ça m'a tué. Bon, du coup, je vais essayer de faire la map en mode. Oh, merde. Oh, le bâtard. Eh, il aurait pu update, là. Bah, en vrai, j'aime bien voir le lore des maps comme ça, tu vois. Un peu les sous-bassements, tu m'appuies. Oh, non. Oh, holy shit, bon, tant pis. Oh, fuck. Oh, ouais, elle était belle. Salut, Zekio, tu vois. Bon, ça, en vrai, j'aime bien 3-6, mais... J'ai toujours un problème visuellement, c'est avec la carte, quoi, tu vois. Il y a trop de... C'est pas assez clair. C'est pas assez clair. Tu vois, là, il y a l'exemple en milieu et tout, tu vois, ce genre de bail. Pas fun. Après, on peut passer outre, tu vois, parce que, bon, on a du ZRT chez nous. C'est où, déjà? Ah, oui, c'était là-bas. Non, mais ça, par exemple, en vrai, c'est mal indiqué. Bon, vous en pensez quoi, vous, sur le chat? Parce que là, je pense que votre avis va être plus déterminant que le mien, parce que... Bah, parce que je suis pas décidé, là, pour le moment. Ah, ok, d'accord, j'ai compris comment prendre le nom en CFW. Salut, Gur, tu vas bien? Moi, je... En vrai, la map, elle est vachement intéressante. Tu as moins de la hunt et tout de ouf. Ah, mais bordel, putain, j'ai clippé, quoi. Moi, en vrai, je serais pas contre le fait de réfléchir à la prendre, en vrai. Mais je sais pas si c'est judicieux. Je sais pas si c'est judicieux. Si tu gardes le GPS, tu la prends. Non, je serais obligé de modifier le GPS. Enfin, je demanderai à ce qu'il modifie le GPS en tout cas après. Ouais, mais passé. Pas du tout, Gur, c'est ma première map ce soir. C'était bizarre ça. Ok. Ouais, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas sur la carte. Oh, ça c'était beau. Oh, ça c'était beau. Trialourien. Mais ça, on est d'accord. Ouais. La fin, elle se cut. Il n'y aura pas besoin de faire les waterbands. Ah, le flic magnifique. On est d'accord. On est d'accord. Hmm.
Moi, je veux bien la prendre, en vrai. On va mettre une option. Option sur... C'est quoi son nom, celle-là? C'est 200 IQ Extended. Bah, du coup, le GPS prend bien son nom, mais... On va mettre une option dessus, mais je garantis rien. Je garantis rien. Ah, Tricky! Alastra, Bahamas Club. C'est quoi Alastra? Qu'est-ce que c'est? C'est une cup? Bravo à toi, Peter Chelsea. Bravo à toi, t'aurais été bien. Quoi? Bon, jugeons pas trop vite, laissons-lui sa chance. J'aime bien l'ambiance de la map, donc pourquoi pas. Du rose pour Selena, hein, comme d'habitude, de toute façon, vous êtes au courant maintenant. Mais... J'ai raté encore un truc ici. C'est un grass slide, ok. Fallait le voir celui-là. Ah, c'était au-dessus du château à droite, d'accord. Putain, t'as changé... Eh, hey, Tricky, il va falloir que te... Hein? Va falloir changer tes tricks en mapping, là. Oh, la gueule. Oh, la gueule. Oh, la gueule. Oh, le prank. Incroyable. Attends, pour une fois, fallait aller tout droit et j'ai anticipé, quoi. Je sens... Je sais pas. Hein. Pour l'instant, je sais pas. Je... C'est la fin? No way. J'ai raté de la map, encore. J'ai rien raté! Bah, elle est courte, ta map, non? Ou j'ai pas fait tant de fails que ça. Attends, GPS. Salut Gaspard, sélectionne pour une cup. Nope. Je sélectionne pour autre chose. Point d'exclamation TTP dans le chat. Allez, montre-moi ça, truc. C'est mon chat qui fait de la merde. Il s'amuse avec sa queue. Hésite pas, truc, hésite pas. Mais celle-là déjà, et j'aurais pas dit que c'était toi qui l'avais mappé celle-là, donc déjà bien joué. Mais comme j'ai déjà une de tes maps où il y a ça, tu sais, c'est un peu. Tu vois, c'est pas fou. Tu m'as envoyé la V2 de Balenciaga ou pas? Enfin, la V2. Balenciaga sans le sigle TMGL. En vrai, elle est chill, simple. Peut-être green, je sais pas. Peut-être green, je sais pas. Je regarde le GPS pour voir la difficulté de la carte. Ouais. Le start est pas fou, je suis d'accord avec toi. Le Tattle Pack PV Minecraft. Non, pas encore, Mister Zephyr, mais il va arriver. Je vais te l'envoyer, ça marche. Envoie-moi en privé. Parce que j'avais dit que je la prendrais. J'enlèverais peut-être. Enfin, en vrai, je pense que j'enlèverais faster, je sais pas. Parce que là le start est close, le saut au-dessus de la roue libre est sympa. Bon ici c'est un grass slide donc c'est un nouveau trick, en plus il faut préparer à l'avance, celui-là est difficile. Juste à cause du grass slide et que de ce passage là je dirais que la map c'est au moins bleu. En bleu j'en ai déjà beaucoup, puis en fait j'ai déjà une map du style, j'ai Road Trip et Vodka Minéralisé. Qui sont un peu deux maps assez chill aussi comme ça, où t'avances pas très très vite. Après la map est sympa, l'avance est sympa, ça permet de changer un peu. Je la retiens pour le moment, vas-y je la retiens. En vrai elle est cool, je la retiens. Ad Astra, Bahamas Club. Ça part. Alors, Ad Astra, Bahamas Club. En blue. Blue flag. Voilà, comme ça on a l'info. On a l'info, on retient et on passe à la suivante. Atsuno. Ok. Bon, je vois beaucoup de roues. Ah non, il y a du jump, il y a du souterrain, il y a des plateformes. On peut s'amuser. On peut s'amuser. Ah, déchire, ouais, d'accord. Après, non, mais c'est pas grave le start, tu sais. Si je la mets dans les premiers packs, en vrai. Puis ça, en vrai, la map est vraiment sympa. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra. Ok, pour l'instant, ça va. J'ai rien vu de... Un peu perplexe, mais sans plus. Ouais. Transition sympa.
Bon, mix mapping dégueulasse, mais transition sympa quand même. Bien que le virage, je le trouve mal amené. Apparemment, on a moyen de jump pour éviter les roues libres. J'en sais rien. À mon avis, ça doit être ça. On peut éviter même la double roue libre. Ah. Ok. Celle-là est courte. Je vais regarder le GPS. Les touristes. Ok, pas de soucis. Alors, fais voir un peu. Ouais. En vrai, là, pour l'instant, j'ai rien vu de difficile. Pour l'instant, c'est green. Peut-être... Ouais, non. Green, parce qu'il y a quand même beaucoup de jumps où il faut contrôler les angles, etc. Machin, donc green. J'ai rien vu de très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de speed, donc du coup, ça va. Pour les débutants, on saura s'y faire. Donc là, c'est jump à gauche. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ah, par contre, tu peux pas... Ok, tu peux pas tout dodge. Je suis moins fan de la deuxième roue libre. L'exemple, en plus, en sortie, est pas folle. La fin est pas ouf. Ouais, le problème, c'est que j'ai vraiment déjà beaucoup de maps. J'ai vraiment déjà beaucoup de maps et celle-là est pas si folle. Pas si folle. Map de ulti. En vrai, elle est quand même mieux que celle que j'avais fait la dernière fois. Ouais, en vrai, elle est sympa. Hein. Moi, je dis qu'elle est sympa. Altseno, tu sais quoi? Il y a peut-être moins que je la prenne à la place d'une autre. Altseno, option, green flag. Allez, ça part. Allez, on dit oui. On dit oui. Next. American CMX X2. Celle-là, je la prendrai pas. Bah voilà. Comme ça, c'est fait. C'est du ESL. A plus. Ah, celle-là, je m'en rappelle. Celle-là, je m'en rappelle, ouais. Celle-là, je la connais. Ah, trop bon, ça va être difficile de choisir. Hein. En vrai, je suis content parce que la miniature, elle m'inspirait pas confiance. Ça avait l'air linéaire as fuck. Alors, du coup, heureusement qu'il manque des items. Comme ça, je passe dans la checker. Hop. Et next, quoi. On n'a pas eu tant de temps pour mapper. Bah ouais, mais il y en avait quand même 33 maps, genre. À l'aide. Aïe, aïe, aïe. Il est pas là, Gurtz? Pourquoi vous gueulez, Gurtz? Calmez-vous. Mais j'ai pas eu cette chat. Ah, ok. Oh, tu l'as modifié. Ou alors ça, c'est sa version finale et je l'avais jamais vu en version finale? Je sais pas. Bon, par contre, là, on est sur du raid. Calme-toi, Izipoa, là. Quand tu vas voir ce qu'il me reste à faire, tu vas comprendre que c'est pas pour maintenant. Celle-là est compliquée, par contre. Il y a beaucoup de gestion. Ouais, il y a beaucoup de gestion, etc. Machin. Faut que je la fasse d'abord moi avant de regarder le GPS. Pour mieux situer les difficultés de la carte, en vrai. Ouais, ça c'est chaud. Ça c'est chaud, mais il y a la safe way, donc il n'y a pas de problème. Hein, quoi? T'obliges à passer derrière? Ok. Moi, celle-là, j'aime beaucoup déjà de base. C'est pour ça, quand j'ai vu la map pop, j'ai mis une réaction. Oh, ça a changé là. Ah, là aussi, je crois d'ailleurs. Peut-être pas en vrai, je sais pas. Ça a changé, c'est sûr. Ah oui, la fin. Ah oui, la fin, par contre, elle a beaucoup changé, genre. Ok. GPS, maintenant. GPS. Alors, fais voir. Ça, ce sera une médaille d'or. Bon, on est un peu moins rapide, mais la strat du start, c'est médaille d'or pour moi. Ça
Ce serait une easy red flag. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, sur le chat. Une petite note, peut-être ? Faut aller chercher le ring ? Ok. Ok, bon bah celle-là elle est retenue du coup. C'est quoi ? C'est BCWE. Le titre de la carte... non, pas éditeur, jeu local. C'est l'Orbi, voilà. L'Orbi V2. Alors... Red Flag. Après, c'est pas encore définitif, hein, sachez-le. Ah, danger, nickel. Dernière version de la map. Let's see. Voyons voir ce que tu m'as fait, Xeno. Voyons voir ce que tu m'as fait. Donc celle-là, si vous vous souvenez bien, je l'avais déjà dit. J'avais déjà dit oui, parce que je l'aimais beaucoup. On a fait quelques modifications avec Xeno, histoire de la rallonger un petit peu, de rajouter 2-3 trucs pour la smoothifier un peu. Ah, dommage. Le start, t'aurais pas dû changer la transition, par contre. La Dugger, tu la trouves surchargée ? En vrai, je sais pas. Bon, après, ça réduit la speed ici, donc why not ? En vrai, je m'en branle. Moi, c'est parce qu'il y avait un trick de rouge, j'étais content. Au niveau des gonds, là, pour le moment, on est bien. Oula, ça a changé ici. Alors, c'est moi qui suis plus habitué. Ok, la déco est sympa. Bon, t'en as mis un peu trop, je dirais. Quoique... Oh, je sais pas, en vrai. Je dirais que les dômes n'étaient pas forcément nécessaires. Voilà, je dirais ça. Bien joué, les changements ils ont été appliqués. Bien vu. Donc là, il faudrait passer full externe, mais moi là, je suis safe. Ah ah, wait a second, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Et j'ai vu quelque chose d'intéressant. Et là, du coup, barrel pour terminer. Ou sinon, tu vas tout droit. Ok. Par contre, je pense... Et oui, il fallait pas fermer ici, il fallait fermer là. Parce que là, du coup, ta barrière, elle est apparente. En plus, on peut se la prendre. Faut que tu fasses une petite modif, Xeno. T'as pas changé la transi ? Ah ouais ? Ah bah, excuse-moi. Mais ouais. Tu bums sur la rampe ou c'est smooth ? Laquelle ? Non, c'est smooth là en vrai. Ah. Avant plutôt. Ouais, soit tu le fermes avant avec un bloc traditionnel qui sert à ça, soit tu fermes après avec de l'exa. Bon, en vrai, j'avais checké Insanity la dernière fois, on voyait rien. Et effectivement. Bon, sinon le chat, moi celle-là j'ai envie de la mettre en white. Parce qu'elle est toute simple, elle est tranquille. Merci beaucoup pour le resub DJ Aurel. Let's go. 26ème mois ? 26ème mois, bien sûr. Merci beaucoup, gros. J'espère que tu reviens. Green, j'aurais dit ? En vrai, non. Tu sais que c'est tout droit. Là, tu sais, c'est tout droit. La map est vraiment très très simple. Là, avec la déco, j'avoue, on dirait qu'elle est un peu plus difficile que. T'as vu ? Mais en vrai, la map, c'est tout grand. Vraiment. Moi, je l'aime bien. Je l'avais déjà pré-sélectionné de toute manière. Donc, puis là, juste un barrel pour le finish si jamais tu veux vraiment tenter. Mais sinon, tu peux aller tout droit. Hein, y a pas de souci. Parce que là, t'as quoi ? T'as une montée, une descente dirt. Bon, ça, tu vois, en termes de save, c'est pas un problème. Là, faut juste rester dessus. Avec moins de speed, tu passes crème. Là, il n'y a pas besoin de drift en vrai, c'est juste pour bien se centrer. Là, c'est un petit half pipe tranquillou à prendre, c'est très correct. Très très correct. Là, un simple drift. Hop, comme ça, on sort bien ici et pas trop loin. Là, c'est là-bas. Hop. Là, c'est tout droit. Encore tout droit.
Non, moi j'aime bien. Des maps simples comme ça, j'en avais besoin. Et bah celle-là me paraît tout indiqué. Hop. Et sinon le... Voilà, vous l'avez aperçu, finish sur la droite. Donc vas-y, je garde. Danger, white flag, ça ne change pas. Bon, on a déjà pris beaucoup de maps, hein. J'espère que je vais pas toutes les prendre, sinon je vais avoir du mal à me décider pour qui reste et qui part. Map de rat, let's go. Enfin, des whites, bon, je sais pas. En vrai, si tu voyais mon pack white, je pense Rico's... Oh, au début des whites, quand même. Pardon. Attends, je suis censé passer là. Pas fan, sinon cool. Ouais, mais ça, tricky, bon. Ça a l'air close. Ah, ça a l'air un peu close. Bon, déjà, c'est exter trou. Du coup, c'est un peu tendu. J'avoue, niveau régu, c'est pas pour médaille de torée. Quoi? Et... Attends, mais il est dans le mauvais sens, là. Bah ouais. Bon. Ça va être tendu, parce qu'avec plus de speed... On va voir. J'attends de regarder GPS pour me prononcer là-dessus. Ça, c'est chaud. Ok, ça, c'est chaud. Ça, c'est des... Ouais, j'aime pas, hein, personnellement, mais bon. Ça passe crème. Étonnamment. Régu, j'en sais rien, mais... Quoi? Quoi? Bah, jamais! Et... Attends, jamais tu passes là, hein? Ça dépend, il y a une whip derrière. Bah, il y a des boosts encore. Ouais. Bon, le... Ah! Bah, c'est une safe way, non. Attends, c'est quoi la safe way? C'est les pipes ou c'est l'autre? Non, c'est l'autre. Parce que si ce que je viens de prendre c'est la safe way, sache que c'est la way qui serait prise. Parce qu'en termes de speed là-dessus, je pense que tu perds comparé à passer derrière. J'en sais rien. Faudrait que je regarde, mais. Ah, bordel. Je regardais derrière. Ok. Ok. Mais bon, bref. Bon, celle-là, pour le moment, je suis pas fan. Pardon. Ce que j'aime pas, c'est que je retrouve la même mécanique de gameplay sur toute la map. J'ai vu le finish, c'était transition à droite. Je retrouve la même... Enfin, c'est tout le temps la même mécanique sur toute la carte. En vrai, j'en suis pas fan. Surtout qu'en plus qu'elle est difficile. Si là-dessus, pour faire les médailles, je vais chier. Hein. Oh, la médaille de bronze là-dessus. Oh, lui, fuck, quand c'est full transitionnel. Genre ça, là. Parce que la map est sick en soi. Hein. Mais. Ok, my bad. Mauvaise lecture. Salut les mecs. Je sais pas. Je pense que je vais pas la prendre. Elle est bien, mais c'est la même mécanique partout et c'est extrêmement difficile à maîtriser ce genre de bail. Elle est beaucoup trop précise la map. Je sais même pas où je pourrais la foutre. Ce serait du raid genre. Mais le problème c'est que la map, si t'as le niveau pour aller en raid, la map est pas difficile. Mais en dessous elle l'est. Du coup ce qui fait que les médailles d'argent là-dessus en vrai c'est... Je sais pas. Bah non, je peux la mettre en black, t'as craqué. Ouais, non, mais c'est ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Bon, ça, après, on peut l'enlever facilement, mais... Non, je vais pas la prendre.
J'ai pas la prendre. La map peut être cool, genre à niveau moyen ou quoi, mais pas sur mon title pack. Passons le start. Tu merdes. Calme-toi, putain. Eh, hey, Insanity, dès qu'il voit une parcelle de dort, je vous jure, ça fait sur son bureau, direct. Hein. Direct, genre. Oulala. Pardon. Oh, j'ai hâte de voir le GPS. Je veux savoir comment il prend ça. C'est exotique. C'est j'aime l'exotisme, d'accord. Oh là 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 là. Ouais, transi. Aïe. Oh. Ouais, à mon avis, ça va être un nom. Je... Regardez GPS, je vais juste voir si c'est bien la fin, c'est bien la fin. Ouais. Ah, mon avis, c'est la simple. À mon avis, celle-là, c'est un nom. Parce que bon, autant le start pose pas trop de problème. Bah non. Ah bah non. T'as pas vu? T'as pas vu Insanity là? T'as pas vu? Oh, t'as raté un truc le gros. Ah non. Non, de trop gros cassage de rythme comme ça, en plus avec des landings trop approximatifs. Désolé Tuki, mais... Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme il va y avoir des bons joueurs et à la fois des mauvais, et que ce genre de landing, c'est difficile à appréhender et à maîtriser, en plus du fait que ça sert pas à grand-chose... C'est mauvais pour moi, tu vois. C'est pas un bon choix. Et après, ouais, niveau exa, j'avoue. C'est mignon. Ok, c'est mignon. Mais il faut que je te montre le start, Insanity. il faut que je te montre le start. Parce que là, on est quand même sur le volite le plus régulier du monde. Hein. Ne faites surtout pas ça chez vous. Hein. Ce volite là, c'est mort. Hein. C'est hors de question. Non. Je me moque un peu, hein, Tuki. Mais... Alors là, c'est chaud. Hein. C'est chaud, hein, vraiment. Vraiment. Oh, il y a trop de vitesse. Oula, map trop courte. Map trop courte. La médaille d'or est en 40 secondes, c'est potentiellement mort. Si elle est vraiment bien, je la prendrais comme opening, mais... Pardon, faut aller où? Oh putain, j'ai paniqué du mauvais côté, t'es sérieux? Salut Yazizm, tu vas bien? Ouais, la rage. Pardon. Vous savez où je dois aller? Ah, mais dans la map, il y avait de l'idée. Mais le problème, c'est que c'était trop mal amené. J'ai l'approximation des jumps sur les lanes qu'il faut prendre, etc. C'est... Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui vont hunt avec, avec des temps pas très ouf. Et si je force des landings foireux, etc., machin, c'est... Putain, il faut sauter. Oh! Plus haut, mec. Ouais, j'avoue. En même temps, gros, comment tu voulais que je devine? Mais... Ah bah ouais, gros. Non, là, c'est chaud. Une map de 30 secondes pour Vélo Pack? Non. Non. Ah, ouais, mais... Ouais. Je suis mauvais en pass landing, hein. Mais, ça a l'air difficile, mécaniquement parlant. Hein. Putain.
Parce que ça, c'est pareil, tu vois, c'est un passage. Ouais, non, c'est mort. C'est un passage one way, je vais laisser le GPS, mais c'est un passage one way. Là-dessus, avec une médaille de bronze, je sais pas si j'y arriverai, tu vois, qu'il n'y a pas de GPS. Ah, Clem de Freux, j'avoue que là, ta fin. Elle est cool, elle est tout ce que tu veux, hein, mais elle est trop dure. Trop dure pour un pauvre, pour une pauvre médaille de bronze, là, vraiment, c'est chaud. Ouais, moins de nixmapping apparemment surtout. En fait, c'est simple. Si tu te forces à mettre trop de nixmapping, surtout en plus quand t'as pas beaucoup d'expérience en termes de mapping, c'est que ta map va y avoir des problèmes dessus. Parce que si les blocs sont pas faits pour être agencés de telle manière, c'est qu'il y a une raison de base. J'ai vu de l'exa là. J'étais pas. Oh. Oh. Oh, ça c'est intéressant. C'est tout mignon, c'est tout beau. C'est tout difficile, tout tight, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée, je l'ai encore jamais vu. J'aime beaucoup l'idée. Nice. Ouais, j'étais en train de me dire aussi que la map elle avait l'air un peu tech, mais en vrai là non. Bon, y a une safe way. Y a une safe way, elle est mal bien faite, donc y a pas de soucis. Fera stab derrière. Hein? C'est pas. Ouais, je reconnais, c'est mini RPG Live ça. Bien joué. Très très bien joué. J'aime beaucoup cette transition. Ok, donc c'est la fin, ça marche. J'ai trop fait du ZRT. Ah ouais? Comment ça t'as trop fait du ZRT? Tu me fais peur, Tek-Tek. Ah, elle a un flow là maintenant. Cette map là, elle a un flow. Exa, c'est les traces laissées par les mix mapping sur la route. Elle a beaucoup de flow la carte, mais ce qui me fait chier, c'est qu'il n'y a que du tech. Non, on peut pas quitter le loup. C'est quoi les noms? Adrifil, ok. Tech, tech, tech encore. Jump sympa. Tech encore. Tech encore. Finition looping, je sais pas. La map est très bien, la map est super. Hein. La transière en dernier loop, ouais, moi aussi j'aime pas trop, mais je pourrais m'en passer. Le problème c'est que après c'est vraiment que du drift quoi. C'est que du drift. Et du coup, c'est que du drift, c'est que du snowball, c'est. Ça c'est ultra intéressant, le problème c'est que derrière c'est que du drift. Non. Non, non, non. Trop technique. J'en ai déjà des maps comme ça en vrai, je veux pas en trop en mettre. Même si la map en vrai elle est simple en soi, j'en ai déjà trop comme ça et je veux varier. Mais là, c'est vraiment cool. Ça, y'a pas à chier. Y'a 3 petits drifts. Ouais, le problème, c'est qu'il y a rien à côté. J'en ai déjà des maps comme ça. Et je veux pas trop en mettre, en vrai. C'est juste ça. J'en ai une comme ça. En plus, c'est une multilap. C'est... Putain, c'est laquelle déjà? La map de Shadok, là, de la TMGL. C'est quoi son nom? Crescendo. J'ai déjà Crescendo, si certains d'entre vous voient de quelle map je parle. Je pense que c'est déjà beaucoup. Parce que en vrai, le Pac-Man niveau multilap, il est assez lent du cul, plutôt avec des cartes qui sont très drift, sans rien d'autre. Donc j'essaie de varier un peu les plaisirs, vraiment. Ok. Ok. Ah, pour le moment, j'aime ceux. On peut récupérer, parfait. Aïe. Dante Crescendo.
Ouais, mais t'aimes GL. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais après, le problème, c'est qu'il me fallait des maps multilab simples, tu vois. 800 CP, wow, c'est pas grave. Je suis allé dans le GPS, là au moins j'ai déjà l'idée de la map. Moi je l'aime bien. Après il y a la musique qui joue beaucoup là, tu vois. Là le côté jazzy là. Ah ça peut me faire dire oui à tout, tu vois. Mais... Oula. Ok. Je le mettrai en green, je pense. Je le mettrai en green à mon avis. On va où? Ah, transition. T'as pas de safe finish. Pas de safe finish. Si, y'en a. Ok, y'en a. Y'a un safe finish. Ok, GPS. Il est à gauche. GPS est à gauche. Ah bah. Hop. Alors, fais voir. Away TV. Let me see. Ouais, trop deep, mais ok. Ça, c'est tout droit. Ça, c'est tout droit. Même s'il faut un peu de speed, faudra voir si ça passe. Ça, c'est ok, chair. Tout droit. Jump en... Ok. Même ça, la médaille d'argent le fera, donc c'est ok. Celui-là me fait peur. Oh, elle est cool. Hein. En vrai, elle est cool. Moi, je dirais, si je la prends, je la mets en green-bleu, tu vois. Galileo. Oh, mais Randral, c'est long. Ah, beaucoup de ma map savait dire de faire un choix. Galileo. Galileo. Soit green. Soit blue. On verra. Gigiland Freedom. Map de Rocket. Let me see. Ah bah ça faisait longtemps que j'ai pas vu un start comme ça. Ok, ok. Bah elle est pas dure, mais elle est pas si simple à terminer non plus. Hein. Faut pas vous dire que... Quand tu... Si, en gros, si vous dites... Qu'avec du train, la map ça passe, c'est qu'elle est trop dure. Gardez ça à l'esprit. Je vise des gens qui sont pas très forts sur Trackmania, d'accord? À l'aide. Ah, il y a un boost. J'ai pas vu. Bon, c'est cool. La médaille de bronze, la médaille d'argent pourront jouer là-dessus. Ah ouais, alors ça... C'est... Bon après, un passage sans roue libre, bon, ok. Passage sans roue libre, c'est cool. Touché. Je sais pas si je suis obligé de prendre le looping, par contre. Je sais pas si... Hein, quoi? Ah, d'accord, ok. C'est pour un JK là, c'est ouais. D'accord. C'est la fin, ok. Oui, Brony. Non, tu peux plus. Surtout pas que ça aurait fait pour moi. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de GPS. Oh non, don't say this. Je veux un GPS. Oh putain, non. Holy shit.
Y a pas de GPS. Celle-là me plaît pas parce qu'elle est trop mixte pour moi. Il y a un truc fun dessus, mais le reste c'est full mix. C'est vraiment Take Dirt. Je retrouve pas de fanfaronnade. Je sais pas vous. Ça c'est le seul truc fun pour moi sur la carte. Rocket, il va croire que je lui en veux, tu sais. Je vois, il fait des cartes, il y a un truc, mais tu sais, ça. C'est le truc qu'il faut pas, tu sais. C'est trop triste pour lui, mais j'y peux rien. Après, elle est simple. Mais j'en ai déjà beaucoup des maps aussi. C'est dur d'être objectif si j'ai beaucoup de maps. Hein. Direct sur le speed au start. Hein? Attendez, je la refais un petit coup. Ah là là. Ah ouais, toujours plus. Toujours plus. Mais non. On n'a pas la même définition de fun, Poussin. Enfin, Poussinator plutôt. Ouais. Ah, elle est trop Take Dirt en vrai. Après, encore une fois, elle est simple, mais j'en ai déjà beaucoup en vrai. Mes packs green et le pack white sont là où j'ai le plus de maps. Et pour moi, celle-là n'est pas à la hauteur de ce que j'ai par rapport à ce que je recherche en tout cas. Parce qu'après, la map de Rocket elle est insane comme d'hab. Hein. Ça, y a pas à chier, mais malheureusement. Mon fun cast le rythme. Bah ouais, c'est ça en fait le problème. Parce que tu sais, c'est un élément rajouté, tu vois. Yo Selena! T'es en avance! Bon. C'est pas grave, on fera avec. C'est un nom. C'est un nom, c'est un nom. Ah ouais. Ah, il y a de la speed, mais le problème c'est que sans speed tu passes plus. À moins que là il ne s'est foué à gauche, mais j'ai pas l'impression. Ah ouais, non mais là. Salut à toi Slock. Le respawn j'ai moins. Bah ouais. Mais... C'est du TA aussi, bah. Normalement, faut bien découvrir la carte, quoi. T'imagines une médaille de bronze là-dessus, mon gars? Imagine la médaille de bronze avant de me dire ça. Comment tu veux qu'un mec bronze il découvre la carte, genre? Moi, je veux bien, mais. Il n'y a pas de GPS en plus. Peut-être à droite. J'aime avoir le GPS parce que... Oh, laisse tomber pour terminer la carte, là. Je vais me faire pisser dessus pour ma... Comment ça? Est-ce que tu m'as vendu du rêve et tu me trolls? Ben non. J'ai confiance en toi. Non, mais no way, là. Attends. Après, si ça se trouve, s'il faut, c'est pas à gauche et c'est de l'autre côté, on sait pas. Hein. Parce qu'après, une fois que t'as la speed, tu vois, ça passe tranquille, je dis pas le contraire. Mais il y a des gens qui n'auront pas la speed de faire ça, genre. Non, mais c'est un bordel. Oh. Pire que dans le poulet, quoi. Genre, vraiment. Hein. Plus, ce qui est sympa, parce que c'est Poulet Rôti qui fait la map. C'est Poulet Semption. Mais non, 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 non. C'est quoi ce CP? C'est le premier? Je pense.
Après, le thème est sympa, hein. En vrai, si tu colles au thème de la carte, elle est bien faite et tout, hein. Mais le start... En vrai, ça pourrait me changer de ce que j'ai déjà, j'aurais pu dire oui, mais... Je sais pas, Caleb. À toi de me dire. En vrai, elle est bien la carte. Hein. Mais... Pff... Tu vois, quand t'as toujours... C'est bien d'avoir un truc, tu vois. Parce que là, bon, la carte, elle a son identité, y a pas à chier. Le problème, c'est que son identité fait toute la map. Et partant de là, du coup, bah, t'as l'impression de faire tout le temps la même chose sur toute la carte. C'est pas ouf. Surtout qu'en plus... Vu que t'as beaucoup de vitesse, en vrai, c'est difficile à voir. Non, mais c'est ça, c'est... Non, c'est bon. C'est marrant, je pourrais pas faire jouer une map comme ça à des débutants. Vas-y, Ultime, on se retrouve pour la suite, parce qu'on va arriver à Just Another V2, et il y a des choses à checker. Bougez pas.